Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous, chers amis téléspectateurs ou sous Télé l'Église, vous pourrez suivre l'émission Nouan, qui c'est Bible en main, nous fait chaque samedi, 9h PM. Nous sommes Maestro David Desrosiers et nous avons déjà des monde qui pour commencer avec étudiants en moment ça. Avec grand plaisir, nous avons invité un habitué, passé de présentation, pasteur Ali Loubert. Pasteur Ali Loubert, Télé l'Église, salut. Moi salue au maestro, c'est un plaisir pour moi capable de répondre à l'invitation de l'église et pour nous capable de présenter un sujet intéressant à soya et qui titré les évidences de la marche par la foi. Donc c'est un texte qui disons c'est un thème qui est inspiré de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 1 à 7. Donc, mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous connaissons que bon Dieu t'a créé l'homme, lui mettait l'homme en Éden, dans un jardin. Et volonté, bon Dieu, depuis le ça, frères et sœurs, c'était que l'homme ait fait lui confiance. Après le fin créé lui a bayo instruction, n'est-ce pas, instruction qui dit que l'homme t'a doué. N'est-ce pas, t'es doué obéir à la volonté de bon Dieu, qui c'était qui ça? C'est pour te abstenir de yon fruit, yon pied bois, et t'as doué bail. Donc, c'est non monté comme ça, parce que dans ce sens, ça, nous capables de dire, c'était un langage métaphorique, un langage énigmatique que Moïse t'a utilisé pour te capable de présenter. Pour être capable de présenter l'arbre, disons, la vie éternelle et la mort. Donc, la vie et la mort étaient représentées dans le jardin d'Éden sous forme de 2 pieds bois qui étaient dans le mitan jardin, l'arbre de vie et qui était symbolisé Christ et l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui était symbolisé la mort ou encore Satan dans le jardin. Et malheureusement, malgré bon Dieu te baille l'homme instruction ça, malheureusement, l'homme pas te kembe et l'homme pas te connaît pour te rete obéissant ou encore l'homme pas te rete obéissant, te décidé pour ne pas obéir à parole bon Dieu. Instruction C1A, c'était qui ça? Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, n'est-ce pas? Tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'était l'ordre formel du Seigneur. L'homme, mes frères et mes sœurs bien-aimés, en mangeant le fruit de l'arbre défendu, il s'est montré qu'il n'a pas cru à la parole de Dieu. Or, c'était pour qu'il vive éternellement que Dieu lui avait défendu de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam et Ève ont donc raté la cible. Ils ont péché. Cependant, Dieu, dans son grand amour pour l'homme qu'il a créé, lui a montré la voie de la vie éternelle par des sacrifices sanglants qui symbolisaient le sacrifice de Christ qui allait mourir pour secourir l'homme du danger du péché. Donc, nous parler de sacrifice sanglant, c'est parce que après Adam et Ève t'ont fait un péché, bon Dieu t'a fait pour eux des habits de peau. Si t'as gagné des habits de peau, c'est parce que t'as gagné bête qui t'est mouru et peau bête ça t'est servi à faire rade pour te mettre sous Adam avec Ève. Donc bon Dieu t'a montré l'amour et certainement il t'a montré Adam et Ève chemin que tu dois suivre pour être capable de réparer des gars qui ont été fait dans le jardin, des gars qui ont été causés à la vie. Ainsi mes frères et mes sœurs bien-aimés, Adam a enseigné le chemin de la vie éternelle à ses enfants. Mais certains ont cru et d'autres pas. Abel a cru et Caïn n'a pas cru. Jacob a cru et Ésaü n'a pas cru. Dieu a appelé Abraham et celui-ci a cru à la parole de Dieu. Et Dieu décida de faire grâce à tout le monde à cause de l'obéissance d'Abraham en faisant sortir le sauveur de la postérité d'Abraham. La Bible nous dit, frères et sœurs, qu'Abraham a cru et cela lui fut imputé à justice. De même,
l'homme qui allait croire en Jésus, qui est mort et ressuscité pour l'homme, son partage, c'est donc la vie éternelle. Donc, ce matin, ce soir, mes frères et mes soeurs bien-aimés, à l'occasion, n'est-ce pas, de ce message si important que je vous adresse, j'aimerais vous éclairer la lanterne sur ce que vous devez laisser fixer, sur ce dont vous devez laisser fixer vos regards. Les évidences de la marche par la foi, c'est le sujet que j'ai pour vous ce soir. Ainsi, nous verrons ensemble trois des évidences de la marche par la foi. D'abord, nous verrons que la marche par la foi découle de la vie par la foi. Ensuite, nous verrons que la marche par la foi exige un système de pensée rééduqué ou renouvelé. Et enfin, la marche par la foi implique un focus sur les réalités célestes ou les choses invisibles. Et abordons, mes frères et mes soeurs bien-aimés, notre première idée, disons notre premier point, qui est la marche par la foi découle de la vie par la foi. Nous songeons au prophète Habacuc. Prophète Habacuc qui t'a parlé de yon prophétie, prophète Habacuc qui t'a parlé de yon prophétie, tant li t'est déjà fixé. Si prophétie ça a tardé, c'est pour nous tenir, parce que la privée quand même, la privée certainement. Et puis devant le bras dit où, le juste vivra par la foi. Donc à travers prophétie ça, bonne nouvelle que prophétie ça a gagné la donne, c'est le fait que l'homme va gagner pour vivre par la foi. Donc, mes frères et mes soeurs bien-aimés, effectivement, lorsque Jésus-Christ vini, il est mouru et il est ressuscité, et moyen que mon Dieu t'a metté là pour que l'homme t'ait gagné accès à salut, ça, que nous gagnons en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et c'est la foi. Donc, c'était type de foi, ça, apparemment, qui était existé depuis l'Ancien Testament. Parce que c'était la foi, il était question de, d'abord de la foi, de la promesse de Dieu. Nous songez, Abel, t'es quoi? Caïn, pas de quoi? M'te souligné ça tout à l'heure. Abraham, quoi? Esaü, pas quoi? Donc, c'était la foi dans la promesse du Sauveur. Donc, cette foi de la promesse du Sauveur, n'est-ce pas, que nous prenons une forme de définition pour lui dans Hébreux chapitre 11, qui en réalité, c'est pas type de foi que nous-mêmes nous gagnons dans l'Évangile. Donc, mes frères et mes soeurs bien-aimés, nous t'aurons et comme définition, n'est-ce pas, comme définition foi ça, c'était la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et là, nous descendons plus bas dans le texte, ou après que tout le monde sa yo qui te gagne la foi, n'est-ce pas, qui te gagne la foi ça, yo mouri sans que yo pas joigne ça ou te besoin. Qui ça ou te besoin? Yo te besoin la perfection. Qui ça ou te besoin? Yo te besoin la vie éternelle. Mais yo mouri sans que yo pas joigne malgré qu'il ait gagné la foi dans promesse là. Donc type de foi que nous gagnons nous-mêmes, nous pas gagnons la foi dans une promesse sauveur, n'est-ce pas? La foi pas nous, c'est dans un sauveur qui t'est venu, qui mourit et ressuscité. Donc c'est pas même gens avec la foi monsieur dame Sayo qui t'est croit et qui pat wè, qui pat réalisé, qui pat wè bagay que yo te kwè la, qui pat wè nan sa yo te kwè ya, qui c'est la vie éternelle. Mais nous-mêmes, nous kwè nan yon bagay qui déjà disponible. Wè li, yon bagay qui déjà disponible pour nous. Donc, depuis nous kwè nous-mêmes, nous gen la vie éternelle. Mais yo même, depuis yo te kwè, yo pat gen la vie éternelle yo même. Wè li, yo te allé en dépôt, yo te allé tonne.
Ou li tan sauveur a vini, n'est-ce pas sauveur a, nous songe Jésus-Christ mouri, Jésus-Christ ressuscité, et lorsque Jésus-Christ ressuscité, yo di nou plusieurs corps des saints, ou li te ressuscité, hein, te ressuscité ensemble avec lui comme prémisse. Donc moun sa yo qui était dans l'Ancien Testament, qui était croyant dans promesse sauveur là, yo vinn gen la vie éternelle là juste le Jésus-Christ gen la vie éternelle, n'est-ce pas? Ensemble avec nous, n'est-ce pas, qui pral croire dans Jésus qui mouri et ressuscité et nous-mêmes nous gen la vie éternelle là. Nous pas attendre nous-mêmes, nous pas attendre puisque nous déjà recevoir vie éternelle là dans l'esprit nous. En attendant que lui manifester dans corps nous au jour du retour de Jésus-Christ pour prendre avec lui son église. Donc, la marche par la foi, li découle de la vie par la foi. Qui le nous gagne la vie, n'est-ce pas, par la foi, c'est lorsque nous recevons l'évangile, n'est-ce pas, c'est lorsque nous recevons l'évangile du salut, n'est-ce pas, et puis l'évangile du salut, nous quoi là-dedans, li transmet nous la foi. C'est lui-même, apôtre Paul, relé l'esprit de foi. C'est lui-même, apôtre Paul, relé une foi commune. C'est lui-même, apôtre Paul, relé une seule foi. Donc, mes frères et mes soeurs bien-aimés, et lorsque nous disons au chapitre 10, verset 17, comment foi ça a divini à nous-mêmes, la Bible dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça, foi ça, c'est foi salut. Hein? Foi ça, c'est foi qui donne nous la vie éternelle, là, mes frères et mes soeurs bien-aimés. C'est pas la marche par la foi. Donc, c'est la vie par la foi de lui-même, la marche par la foi découlée. Mais cette foi, elle est la même pour tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme sauveur. C'est même foi. La foi que me gagne, c'est lui-même maestro et Joseph gagne. C'est lui-même, n'est-ce pas, sœur Margaret gagne. Foi ça, c'est lui-même. Chaque serviteur, chaque servante qui sur plateforme télé l'église, c'est même foi ça. De vous recevoir Jésus-Christ, c'est même foi ça nous gagne. Donc c'est ça nous dit dans Éphésiens 4 verset 5, il y a un seul Seigneur, une seule foi. Une seule foi veut dire la même foi. N'est-ce pas? Dans Tite chapitre 1 verset 4, nous lisons ce qui suit: à Tite mon enfant légitime, en notre commune foi. En notre commune foi. La, hein, notre commune foi, ça veut dire que c'est une foi que nous partageons. Même foi ça, c'est les mêmes chrétiens qui partagent. Dans 2 Pierre chapitre 1 verset 1, apôtre Paul écrit parole ça, Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, ouais, une foi du même prix que la nôtre. Donc nos fois nous gagnons ensemble, non? C'est une foi commune, c'est une commune foi, c'est une seule foi, c'est une foi qui gagne un même prix. Et dans Jude chapitre 1 verset 3, parole bon Dieu dit: bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Et cette fois, ça, c'est un bon texte, n'est-ce pas? C'est un bon texte qui est capable de servir pour la sécurité éternelle du croyant. N'est-ce pas? Cette foi, pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Transmission, ça fait de façon éternelle. Mes frères et mes soeurs bien-aimés, là, on a parlé de la marche par la foi que nous dit qui découlait de la vie par la foi. De la vie par la foi que chaque chrétien, n'est-ce pas, ce que chaque chrétien te joigne lorsque il te croit dans le message salut, qui communiquait lui l'esprit de foi, qui communiquait lui cette foi qui bâtit la vie éternelle. Maintenant, mes frères et mes soeurs bien-aimés, la marche par la foi qui découlait de la vie par la foi, qui s'alliait selon la Bible? Eh bien, frères et sœurs, la marche par la foi, c'est la capacité de regarder, n'est-ce pas? C'est la capacité du chrétien, n'est-ce pas, de regarder au-delà de ce qui est visible.
et de considérer ce qui est invisible au point que ce qui est visible, ce qui est invisible, affecte et change ce qui est visible. La marche par la foi, je reprends, la marche par la foi est la capacité de regarder, n'est-ce pas, est la capacité du chrétien, de la servante de Dieu, du serviteur de Dieu, de regarder au-delà de ce qui est visible et de considérer ce qui est invisible au point que ce qui est invisible affecte et change ce qui est visible. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16, nous pouvons lire ceci, frères et sœurs, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Verset 17, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure. Verset 18, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Et ça que l'apôtre Paul a dit là, frères et sœurs, c'est parce que corps ça que nous gagnons là, c'est un corps humiliation, corps ça nous gagnons là, c'est un corps corruptible, corps ça nous gagnons là, c'est un corps mortel. Mais l'apôtre Paul lui enseigne nous pour ne pas quitter les yeux nous frapper sur corps ça qui a péri, n'est-ce pas? Cap vieilli, lui dit c'est pour nous fixer regard nous non pas à ça qui visible à corps ça, mais c'est pour nous rester focus, n'est-ce pas? C'est pour nous quitter regard nous fixer sur ça qui invisible, sur l'homme intérieur, n'est-ce pas? C'est pour nous quitter le souli sur les choses célestes, c'est sur bagaille ça yo pour nous quitter regard nous en nous pas garder bagaille qui a péri yo. Oui, donc c'est ça pour tout le monde qu'on est là. Pinga nous rete sous corps ça cap malade. Mais gardez, n'est-ce pas, sous l'homme intérieur qui capable de manifester puissance li pour l'engloutir maladie. Gardez sous l'esprit de Dieu qui en dans nous, n'est-ce pas, qui capable ben nous, n'est-ce pas, espérance que nous besoin qui aller au-delà de ça que nous voyons. Donc apôtre Paul enseigner nous pour ça. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, l'apôtre Paul va dire un bagage qui est extrêmement important. L'apôtre Paul en disant que nous, dans 2 Corinthiens chapitre 5, ça nous lit là pour verset 16, 17, 18, l'apôtre Paul, n'est-ce pas, en disant que nous marchons par la foi et non par la vue, il a exprimé donc que nous sommes beaucoup plus que ce que nous voyons physiquement. Nous sommes beaucoup plus que ce que nous voyons physiquement. Nous plus que ça nous est. Nous plus que corps cap malade là. Nous plus que corps cap péri. Parce qu'en dedans nous, mes frères et mes soeurs bien-aimés, il y a la toute puissance de Dieu. En dedans nous, frères et sœurs, nous gagnons le Saint-Esprit qui la donne. Automatiquement que ou recevoir, n'est-ce pas, ou recevoir le message du salut, ou gagner le sceau, ou scellé du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Ou c'est le temple de Dieu, ou pas n'importe qui monde, ou c'est le temple de Dieu, ou gagner le sceau du Saint-Esprit, et pour combien de temps? C'est éternellement. Maintenant, dès pour gagner l'ikounia, à partir de élément ça qui sauve ou là, n'est-ce pas? À partir de foi ça ou gagner, eh bien, c'est pour qu'on ait ou de marcher désormais par la foi. Et c'est ça qui fait la marche par la foi, c'est capacité ça ou gagner pour garder, pour quitter yeux ou sur ça qui est invisible et non sur ça qui est visible. Donc et ça fait l'apôtre Paul te dit avec mon Colossio, nous sauver, nous gagner la vie, c'est pour genoux rester fixé sur les choses d'en haut. C'est extrêmement important, mes frères et mes soeurs bien-aimés. Premier bagage que nous ensemble avec vous là, c'est que la marche par la foi, c'est une capacité pour nous garder bagage qui invisible
et non bagay ki visible yo. C'est ça qui relè, n'a marché par la foi et non par la vue. Et cette marche par la foi li découlé de la vie par la foi. Moun ki pa gen la vie par la foi, qui c'est le li né de l'esprit, li pa ka marché par la foi. Moun ki pa vive par la foi, moun ki pa vive par la foi, li pa ka marché par la foi. Moun ki pa vive par la foi, li né de la chair. Et la Bible dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, la marche par la foi, li découlé de la vie par la foi. Le deuxième bagage nous apprend, frères et sœurs, c'est que non seulement la marche par la foi, li découlé de la vie par la foi, n'apprend tout. Deuxième élément qui est important pour nous, deuxième évidence, non, c'est que la marche par la foi, li exige un système de pensée renouvelé ou rééduqué. Donc, la marche par la foi, c'est en réalité la marche selon l'esprit. La marche par la foi, c'est en réalité la marche, n'est-ce pas, selon l'esprit de foi. L'esprit de foi, c'est le Saint-Esprit que nous te recevoir, n'est-ce pas, au moment que nous te recevoir le message du salut. Donc, cette marche par la foi, lui exiger un système de pensée renouvelé ou rééduqué. Donc, ou t'es païen, mes frères et mes sœurs bien-aimés, ou t'es païen, ou t'es sans Dieu, ou t'es sans espérance. Donc, automatiquement, que ou vini dans Christ, n'est-ce pas? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Maintenant, ou gagne yon l'esprit de foi qui habite ou, oh, esprit de foi, ça a qu'on gagne qui habite ou là, li fait de ou, n'est-ce pas? Li fait de ou, yon moun qui partage la nature de Dieu avec Dieu. Donc, ou partage la nature de Dieu, ou c'est yon l'autre moun. Ou pas appeler le ça pour marcher, n'est-ce pas, pour marcher selon la chair, mais ou là pour marcher selon l'esprit. Parce que la vie ou kounye a, n'est-ce pas, li pas de la chair, puisque ou gagne yon lot naissance en Jésus-Christ. Donc, tu es né de Dieu. Maintenant, donc, le fait que ou vin né de Dieu, la vie éternelle que ou gagne, l'esprit de foi que ou gagne, bon Dieu mettez-le dans l'esprit ou. Bon Dieu mettez-le dans l'esprit ou. Maintenant, toute bénédiction spirituelle, n'est-ce pas, que bon Dieu ba ou yo, ou recevoir yo dans l'esprit ou. Que ou conscient de ça, que ou pas conscient de ça, ou recevoir yo dans l'esprit ou. La vie éternelle là, c'est dans l'esprit ou. Toutes les bénédictions spirituelles que nous recevoir, pas vrai, nous recevoir dans les lieux célestes, eh bien, toute bénédiction ça yo, c'est dans l'esprit ou. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, toutes ces dans l'esprit. Toutes les bonnes choses, n'est-ce pas, qui nous saluent, bon Dieu mettez toutes dans l'esprit nous, que nous conscients de ça, que nous pas conscients de ça. Et yo dans l'esprit, le jour où tu as accepté le message du salut qui est basé sur la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Donc, mes frères et mes sœurs bien-aimés, lorsque vous recevez Jésus-Christ dans la vie, maintenant, vous devez accommoder vous à un autre style de vie. Vous devez réaliser que c'est extrêmement important pour marcher selon l'Esprit. Et la marche selon l'Esprit, n'est-ce pas? La marche selon l'Esprit, c'est marcher, n'est-ce pas, sous ordre Saint-Esprit. Et ordre Saint-Esprit, tout ça la pral di ou pou marcher là dans yo, côté yo, frères et sœurs, c'est dans la parole. C'est dans la parole, n'est-ce pas? C'est dans la parole, c'est la parole de vérité que l'Esprit qui nous noue, la peut exhorter nous pour nous marcher là-dedans, pour nous marcher selon la parole de vérité. En plus, il faut que nous marcher selon la parole de vérité. Ça qui arrive, frères et sœurs, c'est que système de raisonnement, nous, système de pensée, nous, lit modelé
en fonction du monde que nous la donne. Système de raisonnement nous, n'est-ce pas, li selon monde là. Système de pensée nous, li selon monde là. Qui côté yo levé ou dans monde là? Qui côté, n'est-ce pas, qui côté ou à l'école, c'est dans monde là, c'est éducation monde là. Qui côté ou à l'université, c'est dans monde là. Qui côté ou à le travail, donc c'est dans monde là. Ou en compagnie des païens, donc tout système de pensée ou li embrasser, n'est-ce pas, le système de ce monde. C'est une chose qui est extrêmement important, c'est que lorsqu'on recevra Jésus-Christ, eh bien, il faut qu'on rééduque le système de pensée. C'est ça qui fait que les gens qui finissent convertis, ils ont des séries de bagages, ils n'ont pas qu'à laguer. Ils n'ont pas qu'à laguer les bagages parce que le système de pensée, n'est-ce pas, pas renouvelé. Le système de pensée, pas rééduqué. Et c'est ça qui fait, mes frères et mes soeurs bien-aimés, lorsqu'on finit converti, faut qu'on lit la Bible. Faut qu'on étudie la Bible. Faut qu'on médite la Bible. Faut qu'on applique la Bible. Vous voyez? Donc, faut qu'on applique la Bible. Faut qu'on étudie la Bible. Faut qu'on médite la Bible. Faut qu'on lit la Bible. N'est-ce pas? Pour capable gagner la compréhension, n'est-ce pas, de l'écriture. La compréhension de l'écriture pour que système de pensée ou lit selon, n'est-ce pas, lit selon vérité, hein, toute vérité que bon Dieu mettait dans l'esprit ou que on peut être conscient de toute vérité ça. Donc lorsque système de pensée ou lit en contact avec la parole, eh bien on prend conscience de qui est souillé, on prend conscience de qui est bon Dieu, de qui est Jésus-Christ, on prend conscience de toutes les bonnes choses que bon Dieu mette dans ou, on prend conscience de toute bénédiction spirituelle qu'on gagne dans ou, une fois que ou conscient de tout élément ça yo qui était déjà dans l'esprit ou, maintenant corps ou pas ka résister. Corps ou pas ka résister puisque corps ou a agi, n'est-ce pas, selon système de pensée ou. Donc si système de pensée ou rééduqué, si système de pensée ou renouvelé, n'est-ce pas, corps ou pas gain choix, n'est-ce pas, corps ou pas gain l'autre choix que mettez en application sa système de pensée ou bali pour lui capable manifester. Et c'est oui. Le ça et le ça seulement, frères et sœurs, que l'homme a capable, n'est-ce pas, agir, n'est-ce pas, selon l'esprit, marcher selon l'esprit. Il est extrêmement important, m'a peut illustrer ça yo à partir de textes bibliques. Et à partir de 3 ou 4 textes bibliques, et Romains 12, versets 1 et 2, qui sa parole ça dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Dans Romains chapitre 12, verset 2, n'est-ce pas, le texte dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Qui le wap capable, n'est-ce pas, qui le wap capable et discerner, n'est-ce pas, volonté bon Dieu, ça qui est bon, agréable et parfait, qui le, c'est le où gagner une intelligence renouvelée, c'est le où gagner une intelligence rééduquée, n'est-ce pas, c'est le ça, mes frères et mes soeurs bien-aimés, système de pensée où a aligné li, n'est-ce pas, a accordé li à nouvelle nature que Jésus-Christ ban nous, qui c'est la nature de Dieu. 2 Timothée 3, 16, 17, où elle dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, nous, là, ces paroles-là, n'est-ce pas, ces paroles-là qui a enseigné ou qui a convaincu, corrigé ou instruit, pour faire qui ça? Pour capable d'être accompli et propre à toute bonne œuvre. Et pour nous finir, frères et sœurs, la marche par la foi, non seulement découler de la vie par la foi, non seulement exiger un système de pensée qui renouvelé, rééduqué, mais tout la marche par la foi, impliquer un focus sur les réalités célestes ou sur les choses invisibles. 2 Corinthiens 4, 16, 2 Corinthiens 4, verset 17-18, parole bon Dieu dit, car nos légères afflictions
n'est-ce pas, du moment présent, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses, n'est-ce pas, visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Mes frères et mes soeurs bien-aimés, nous devons vivre la vie chrétienne en se focalisant non sur notre corps d'humiliation qui périt, non sur les réalités visibles, n'est-ce pas? Mais le domicile, mais nous devons regarder au domicile céleste que nous avons dans les cieux. Colossiens 3, verset 1 dit, « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez donc les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. » Mais bien-aimés dans le Seigneur, la marche par la foi, après avoir reçu l'esprit de foi, c'est ce que Dieu a toujours voulu pour l'homme. Et ce soir, nous venons de voir avec vous trois évidences de la marche par la foi. La marche par la foi découle de la vie par la foi. Elle exige un système de pensée rééduqué ou renouvelé. Et elle garde le focus sur les réalités invisibles ou éternelles. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, ne perdons pas courage à cause de ce qui arrive dans ce monde. Quoique physiquement dans ce monde, ne vous laissez jamais dominer par ce qui se passe là-dedans. Nous sommes plus que ce que nous voyons avec les yeux. Faisons toujours confiance à notre Dieu et marchons par la foi et non par la vue. Que Dieu vous bénisse. Merci, très bien, merci, Pasteur Ali Loubert de la Première Église Baptiste. Oui, de la Réunion Port-au-Prince. Nous recevons très, très bien et ça fait nous plaisir un peu. Et mon yoté était très, très silencieux. Sans doute, tu as pris en note et puis il y a une question tout. Tant qu'on nous dit, émission, ça pas seulement question pour poser, mais il y a un droit, c'est un bagage. Parce que pas dit, pour ajouter, en façon pour nous compléter l'autre. C'est un bel sujet, un bel sujet. Parce que nous tous qui sommes chrétiens, nous vivons, nous marchons. Par la foi, c'est-à-dire que ça, c'est bagaille qui tout à fait intéresse nous. Si j'en ai rappelé encore, c'est les évidences de la marche par la foi. Un petit sujet tout court, mais qui gagne sous lit, parce que pasteur a banou un peu la dernière. Pasteur Ali, tu as posé une question, ça, mais aussi tellement parlé de lit, un peu, pas penser que tu as obligé d'élaborer sous lit, non, mais c'est tellement important. Ma foi, on t'y jantait encore parce que ça semblait ou t'as fait différence entre marcher par la foi et vivre par la foi. Pour on est baronti lumière encore sous lit, bon, ou t'es même dit yon vini de l'autre là, yon dérivé de l'autre là. Yes, so, okay. Est-ce que yo identique ou bien est-ce que tout à fait différent? Vivre et... par la foi, marcher par la foi. Et. La vie par la foi, c'est une nature. La vie par la foi, c'est une nature. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, la vie par la foi, c'est nature qu'on recevoit lorsque on croit dans Jésus-Christ. C'est-à-dire que la vie par la foi. Maintenant, la marche par la foi, c'est une conduite. C'est conduite que moun qui vivent par la foi a gagné. C'est ça y relé la marche selon l'esprit. OK? So, ça dit que et vivre par la foi, c'est ta don son du Saint-Esprit. Oui, alors don du Saint-Esprit que vous venez posséder. Et que c'est par lui-même ou bien le salut, c'est comme si c'est la foi qui est le salut ou bien qui sauve là. C'est parfait, ça. Parfait. C'est okay. Salut. Okay. Mais et l'autre là, c'est comportement. La foi, c'est, yes, exactement. So, c'est comment on le marché pour vivre l'évangile là, qu'on y a là, tout c'est ça qui le marché là. Tout à okay. Fait. So, ça veut dire que, ou pas qu'à jamais perdu, vivre par la foi. À non, de non, non. Là. Dépouter, fin régénérer ou c'est chrétien ou né de nouveau, eh bien, vie par la foi, ou toujours gagne parce que c'est le Saint-Esprit qui place celle-là. Naturellement, parce que c'est une nouvelle nature libre. Exactement. So, ou responsable pour marcher par la foi parce que c'est servir après avoir été sauvé. C'est ça. C'est même gens à qui on moun. Moun, li c'est moun, li de la nature humaine.
même si la vive tant kou bèt, li marche tant kou bèt. Ouè li, mais li pa bèt. C'est ça. Ouè li? Très très bien, à moi ça semblé qu'on met qui levé déjà, pas connait ou bien son monde qui fait rentrer. Bon regarder moi bien, est-ce que gon monde qui t'a ajouté quelque chose? OK. Alors son monde qui voulait entrer. Est-ce que gon monde qui a ajouté yon bagage à partir de sa pasteur a dit sous vie, vivre par la foi et marcher par la foi. Est-ce que nous gon agir sous ça? Gon l'autre bagaille ou t'es mentionné parce que li nan 2 Corinthiens 5 verset 7 car nous marchons par la foi et non par la vue. Pas oublier n'a parlé de démonstration ou bien évidence pendant que ça lui-même lui montrer que c'est pas par la vue mais c'est par la foi, c'est-à-dire que ou pas en rien visible là, ou en rien matériel là. Comment on te ka onti jan éclairci ça, comment on te ka montrer évidence ça bien que c'est pas par la vue. Comment on te ka wè ça? OK. Pas oublier que le monde l'ichita sous convoitise. L'ichita sous convoitise et ça y aurait les rudiments du monde. OK? Donc puisque le monde c'est sous ça c'est ça qui mène nous mais la vie éternelle que nous gagnons ça bon Dieu ban nous yo bénédiction bon Dieu ban nous yo pas visible bénédiction nous yo pas visible nous gagnons corps physique ça qui lié avec monde là corps ça c'est un corps physique li visible or ce qui est visible est passager. Oui, ce qui est visible est temporel. Donc, ça veut dire que automatiquement que, ou même en tant que chrétien, les bon Dieu relèvent le royaume, c'est un royaume invisible. Ce n'est pas un royaume visible. La vie éternelle qu'on gagne, c'est invisible. Le Saint-Esprit qu'on gagne, li invisible. Tout ça bon Dieu fait pour yo, c'est bagay invisible parce que yo c'est yo nan niveau spirituel. Pa gen rien bon Dieu fait pour ou que on pral wè yo a deux yeux ou. Est-ce que dit? Maintenant, puisque tout ça bon Dieu ban nou yo, yo invisible et yo c'est dans l'esprit nous. Si on besoin marcher selon l'esprit qui invisible ça, faut nous quitter focus ou non pas sous bagay que n'a poué qui c'est les rudiments du monde mais en nous rester focus sur toute bénédiction spirituelle que bon Dieu ban nous dans l'esprit nous yo. Maintenant qui ça permet que ou toujours gagne une vie de domination malgré ça qui visible yo tavlé troublé ou mais retirer Jésus sou yo garder bagay spirituel yo garder bagay qui c'est trésor que bon Dieu quitte pour nous qui dans ciel là. Voyez-li? Donc c'est qu'on ça va marcher ou le corps ça qui c'est un corps physique qui lié nous à bagay qui dans monde là, qui lié nous à la terre, qui ça la marche par la foi dit nous pinga nous garder sous corps ça a vieilli, l'a mouri. Voyez-li? L'a pourri. En nous garder sous nouveau corps nous gagner nouveau corps qui déjà là qui a qui gagne pour manifester lui au jour de Jésus-Christ l'aime au jour de Jésus-Christ au jour de l'enlèvement de l'église corps ça pour le changer en un corps incorruptible un corps de gloire un corps céleste lui dit plutôt nous garder ça nous pour joindre tant pour nous garder vieux corps ça qui c'est un corps d'humiliation captain pour la vie éternelle qui nan nous engloutil puis devant. Wali, la vie éternelle nous gagne nan nous, elle pral englouti comme mortel ça, parce que corps ça pral changer en un corps incorruptible, un corps immortel. Définitivement. Donc on nous garder à bagay qui invisible parce que les choses invisibles sont éternelles. Donc c'est pour nous dépouiller nous de tout ça qui matériel et puis pour nous spiritualiser.
C'est ça. Même si nous vivons dans le monde, là, même si nous vivons dans le monde, là, on nous marche comme des fils du royaume. Définitivement, parce que nous sommes des ambassadeurs des mondes qui vivent dans le monde, là, mais nous pas réellement du monde. C'est ça. Évidemment, évidemment. Exactement, et nous avons Easy TV qui sont censés nous mise au point. Allez-y, Mr. Oui, bon, et la paix, bon Dieu, avec nous. Donc, moi, le sujet, c'est les évidences de la marche par la foi. Donc, mon question simple, comment prouver, comme des êtres, comme nous-mêmes, c'est des êtres matériels, comment prouver l'invisible alors? Comment peut-on prouver l'invisible? Parce qu'on parle d'évidence, Moi, je me demande comment peut-on prouver l'invisible? Alors, qui c'est presque même question. Moi, t'ai posé parce que moi, t'ai comparé non pas par la vue et il a même bagarre encore parce que n'a dit avec évidence table dit des bagarres visibles, des bagarres claires, des bagarres ou capablement rien toucher et il dit exactement ça peut-être ou t'as besoin rééclaircir encore comprendre pour nous capable montrer comment c'est pas par la vue mais c'est par la foi. Comment prouver l'invisible? OK. Li simple, c'est par les effets. Qui effet? Yon bagay qui invisible. C'est tant que yon vent, ou elle dit, c'est tant que yon vent qui a passé yon côté. Ou pas le vent, li invisible, mais ou senti effet li. Effet li a braché tol. Effet li a crasé caille. Ouais, donc yon vent qui a passé, li, c'est un élément invisible, mais les effets de cet élément invisible, li visible. Ou vin semble un bagay qui réel à cause des effets, c'est ça. Li réel, li invisible mais réel. Li réel parce que nous avons effet li. Maintenant, lorsque nous recevons la vie par la foi, lorsque nous recevons la vie de Dieu, Dieu est esprit. Dieu nous habite. Donc, l'esprit de Dieu habite nous. Nous besoin accepter vérité ça. Nous besoin accepter vérité ça parce que nous gagnons l'esprit qui dans nous, qui c'est l'esprit de vérité. Nous fait bon Dieu confiance et nous connaît élément ça dans nous. Maintenant, comment nous capables sentir que li nan nou? C'est un couvent. Nous sentir que li nan nou à travers les dons spirituels que nous avons manifestés ou qui a manifesté dans l'environnement d'église que nous y. Le yon moun campé, li a prêché l'évangile avec une certaine sagesse. Avec la sagesse de l'esprit et qui gagne une révélation dans la connaissance du Seigneur et la parlé où, la transformé où, eh bien, ça, c'est des dons spirituels qui a manifesté. Là, par exemple, il y a un monde qui l'église où, lui a parlé en d'autres langues ou encore lui a dit des mystères. Donc, ou même, qui c'est yon moun ki physique, qui gen l'esprit bon Dieu nan ou, eh bien, ou est-ce yon mystère ka manifesté devant ou, sou même sou pa comprenne. Pourtant, gen yon lot moun ki nan mi tan ou, kap tende manifestation sa, kap tende interpréta, kap tende langue sa kap pale ya, ou même ou pa comprenne, et puis gen lot moun kap traduit li, kap interprété li. OK? Donc, ça, c'est des démonstrations de puissance bon Dieu qui est invisible et que li rend puissance accessible à nous-mêmes à travers des dons qu'elle met dans nous. On est censé convaincre qu'on y a là à cause de ça. Tout à fait. À cause de ça. OK. Tout à fait. C'est manifestation don yo. Ouais, donc puissance bon Dieu lorsque la manifeste. On monde par exemple qui gagnait par exemple qui gagne un monde qui malade. Et puis, on l'autre monde paraît devant vous, lui imposer mes sous, lui la prier pour vous, et puis, maladie a parti. OK? Donc, c'est une prière qui fait.
c'est un élément invisible ou pas ou capable comprendre ni ou encore un miracle qui fait. Donc c'est à travers des miracles, à travers, n'est-ce pas, à travers manifestation dons spirituels, ça qui invisible paraît visible pour que nous-mêmes nous gagnions accès ensemble avec eux. OK. OK. C'est clair pour Frère Bonne, n'est-ce pas? Non, donc si me comprends très bien, donc si l'invisible n'est pas manifesté dans le matériel, la difficile pour prouver, c'est ça? Ou pas capable, ou pas capable prouver. Donc faut manifester dans le matériel, c'est ça? Pas nécessairement, pas oublier, nous te dit que la foi lié avec manifestation ou encore démonstration, ça qui est invisible. Et mot clair quand vous dites c'est les effets. Et vous te prenez exemple, pas monde qui a dit vent pas exister, pas grand monde qui a dit pas quoi dans vent. Par exemple, mon Dieu, son l'esprit. Mais qu'on y a là à travers la parole ou encore à travers la nature, moi ouais que création li gagné un sage architecte qui mettait le comme ça. Ouais dit logique nous, bon sens nous, fait nous connaître un être supérieur, un être suprême qui mette bagay sa yo en place. Pieds bois yo, les étoiles, les astres, ou elle donc j'en li organisé, eh bien tout bagay sa yo, la Bible dit qui ça pour nous, ça c'est la parole qui confirme le pour nous, li dit nous les cieux racontent, ou elle la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Eh bien nous quel, ça c'est la foi. OK, nous croyons que le monde est créé par, n'est-ce pas, par le Seigneur. Nous croyons ça, la Bible dit nous ça parce que nous avons la Bible comme livre par nous qui dit nous tout ça bon Dieu fait. La terre et ce qu'elle renferme, c'est bon Dieu qui fait. Maintenant nous accepter tout élément ça yo sans que nous pas ouais bon Dieu qui fait là, mais nous accepter yo, ça c'est la foi. En plus de éléments qui manifestent qui paraissent dans genou. Okay. Qui crée par invisible. Okay. Okay. Ouais. Pour me finir, un dernier petit bain, ma frère. Donc, comme on parle de création, nous connaissons le monde qui crée en 6 jours et puis le 7e jour, Dieu se reposa, n'est-ce pas? Mm-hmm. On a question, est-ce que création finit? Est-ce que son processus qui finit depuis le 6e jour ou bien ça continue? Est-ce que la création finit? Qui ça peut le créer encore? Puisque nous avons ancienne création. Hein? Bon Dieu t'a créé. Créer, c'est donner naissance à partir de rien. Bon Dieu fait tout ça pour te faire déjà. Et puis, lui quitter l'élément ça, yo, n'est-ce pas? Lui créer déjà. Et même élément qui nous créé, c'est yo même, n'est-ce pas? Cap dérouler. Cap dérouler là. Ou okay. Par exemple, yo te fait moins. Yo te fait moins, moi fait petite, fait l'autre petite, etc. Bagayo évolue comme ça. Ouais, li? Donc qui élément bon Dieu t'a créé là, alors? Quels sont ces éléments? Parce que c'est même élément qui va continuer. Naturellement, bon Dieu crée Adam avec Ève, qui c'est deux mondes. Ouais, li? Et puis. Non, on n'a pas les deux espèces là. On ne va pas les deux mondes seulement, on n'a pas les deux espèces. Oui, je commence sous ça. Ouais. Donc. On prend monde bon Dieu t'a créé pied bois jusqu'à présent n'a pas pied bois c'est mention continuer bon Dieu n'a pas les espèces oui bon Dieu créé bête yo donc okay. Selon espèce yo gien okay. qui disparaît gien ou détruit ça c'est l'homme qui entre dans bagarre là qui ou bien détruit ou bien bête manger bête etc. donc si bien comprendre vous avez dit processus a défini dès le 6e jour c'est ça oui pas gien création encore. Okay, all right, merci. Maintenant, avec Jésus-Christ, il y a une nouvelle création qui c'est l'autre bagaille. Okay. Okay. Alors, merci. Okay. Très bien, très bien. Alors, mais ça me comprend à partir de ça, parce que Lydia a dit que c'est comme si un ingénieur fait plan qu'elle a. Ok. Depuis plan fin fait, tout ça qu'elle fait dans la construction réunit de plan. Ça veut dire que c'est pas sixième jour que tout ça va pour qui fait yo fait mais yo dans plan de construction m'pa konsoit pas bien. C'est-à-dire que même si tu on bagage pas coexister bien longtemps et puis c'est jodi ou reciwel pa vle dit
il pas fait partie de création. C'est ça que vous voulez dire. Tout ça bon, tout ça qui pouvait créer, tout ça qui pouvait créer dans le plan physique, nous y a, tout créé déjà. Tout est là déjà. OK. Pas de l'autre création encore. OK. Très bien. Bon Dieu pas créé l'autre bagarre encore, il fait création déjà et création a fait route li. Ready? Définitivement, définitivement. Parallèlement à création ça, eh bien bon Dieu vini avec une nouvelle création. Définitivement. Hein? Par exemple, yeah. Bon Dieu pas créé computer, ou pas dire moi ça dans la Bible. Et puis garde juste qu'il est computer vini créer, mais ça pas te dire pas dans plan de création côté technologie pour avancer comme ça. So, c'est à dire que c'est le plan et bien qu'elle t'ait fini sixième jour, mais qui continue à développer à partir de ça que t'es en dans plan bon Dieu pour la création. Oui, c'est très, et puis très, d'ailleurs, très belle, c'est tout ça qui a vini, qui a fait yo là. Il y a matière première pour yo. Exactement. Et c'est dans la création liée. Bon Dieu mettait tout le bagage là déjà. Okay. Tout à fait. Ah, pasteur Ali, je leur parlais de évidence par la foi. Ah, ça t'a inclus, of course, il inclut le fruit de l'esprit qui est, you know, fruit de l'esprit, amour, joie, la paix, la patience, la bonté, etc. Sur ça, c'est des évidences, monde qui a marché par la foi en principe. Y a un monde qu'on y a là qui pas t'a montré évidence, ça veut dire qu'il pas marché par la foi, il pas montré. Est-ce que qu'on y a là son monde qui dans chemin de la perdition, c'est-à-dire que son monde qui perd? Non, pas forcément. Pas forcément. Et nous devons gagner un monde. Yo fait ti moun nan. Et puis li gagne un malformation. Yo fait ti moun nan, li gagne un problème qui empêche li grandir même j'en ensemble avec nous. Qui empêche li connaît en pile bagay même j'en ensemble avec nous. Et même j'en gen kokobé sous plan physique. Gen kokobé tout sous plan spirituel. Wedi, yo rele moun sa yo nebios. OK. Wedi, c'est yo même généralement apôtre Paul présenté dans 1 Corinthiens chapitre 3. OK. Ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants. Wedi, en Christ. Donc c'est li tout l'auteur de l'épître aux Hébreux t'a reproché et contemporain yo. Vous qui devriez être des maîtres, vous en êtes encore au lait. Ready? Donc ça veut dire que et si yon moun recevoir Christ, toute bénédiction yon li recevoir yon dans l'esprit, li se yon moun nouveau. Okay. Maintenant, pour capable manifester moun nouveau ko vinye a, c'est pour système de pensée ou rééduquer parce que intelligence ou t'est obscurci. OK. Ça donc, système de pensée ou renouveler, rééduquer pour conduire tout capable manifester la sainteté de Dieu ou encore pour conduire tout capable manifester tout ce que recevoir dans nouvelle nature. Si système de pensée ou pas renouveler ou bien rééduquer parole somme ça pour l'appliquer pour moun ça vous êtes des dieux mais vous mourrez comme des hommes donc moun nan k'ap viv lan li a viv li pa ka profiter de la vie chrétienne ni pa ka profiter de toutes les belles choses spirituelles que bon Dieu vle le profiter de yo parce qu'il pa gen connaissance donc mon peuple périt faute de connaissance. C'est ça que ou jwenn en pile moun dans l'église nou yo. Ou ouais, le fait que yo pas gen dimension spirituelle pour yo gagner dans Christ là parce que ça vient de connaissance que yo gagner, et bien ou après moun sa arrêté yon chrétien comme ça. Ça veut dire que moun sa même s'il t'a manqué pratiquer le fruit de l'esprit, ça me sorti théo là, il ka toujours gen la vie éternelle. Oui. Parce que qui ça qui passé? L'on manifester bagay yo. Non, c'est conduit tout, c'est marche là. C'est marche là, c'est pas vie là. Est-ce que vous avez dit? Gagner la vie. Ouais, gagner la vie.
de l'esprit et gagner la vie de la chair. Donc, l'on prend la chair et l'esprit, c'est deux natures différentes. La chair, c'est une nature. Vivre selon la chair, donc c'est une nature. La marche selon la chair, c'est une conduite. La vie selon l'esprit, c'est une nature. La marche selon l'esprit, c'est une conduite. Donc, c'est pour nous pas mêler ensemble la vie de l'esprit et la marche selon l'esprit, la vie de la chair et la marche selon la chair. Soumettez-vous ensemble, eh bien, on a la confusion. OK. Mais alors, nous connaissons que la Bible a encore dit, quand vous reconnaissez Abla par fouille, c'est ça? OK. So, dans le cas, si je garde un monde et puis je ne parle pas, il marche, you know, selon. You know, le fruit de l'esprit, par exemple, cette vidéo, si je parle ça, est-ce que je dis carrément, mon ça, qu'a sauvé ou bien non? Je ne parle rien. Si vous regardez sous fouille, si vous regardez sous fouille, il y a deux possibilités. Et si vous regardez sous fouille, il y a deux possibilités. Et deux possibilités, ça, il existe tout, la caille, mon naturel là tout. OK. Parce que yon moun ki naturel li ki doit faire bon bagay, ça va veut dire que le sauver pour ça. OK. OK. Maintenant l'on prend moun ki sauvé à lui-même. Li capable pas fouiller ou pas fouiller. Non, si moun nan lui-même li nan Christ et que li pas produit fruit digne de repentance, les fruits de justice, maintenant ou capable déterminer est-ce que moun sa ki nan Christ là. Est-ce que lui spirituel ou bien est-ce que lui charnel? OK. Les deux, que c'est l'homme spirituel ou l'homme charnel, yo tout deux en Christ. OK. Gayoun qui pas progressé. Gayoun l'autre qui progressé. Gayoun qui ignorant, gayoun l'autre qui gen connaissance. Est-ce que vous voyez? Donc, si on dit, on reconnaît l'arbre à son fruit, eh bien, l'on prend un monde qui est dans Christ, li ka charnel, li poko développé pour li mature, comme ça tout le monde doit développer li mature, donc on est capable de distinguer ou comme ça, mais on pas capable de garder ou à 100% pour dire ça spirituel, ça charnel. Faut-il bien que ou gagne ça ou le discernement? L'esprit de discernement. OK. L'esprit de discernement. OK, très bien. Maman, est-ce que pas gagner un main qui levé là parce que pas connaît quoi gon main qui levé. Allez-y, c'est Honoré, allez-y. Et nous saluons panel là, nous saluons nous dans nom Jésus qui gagne tout pouvoir et nous saluons Pasteur Ali. Et je dis à la nouvelle qui est intervenue, j'ai seulement besoin de passer nous en salutation et pour me remercier tout pour façon que le Saint-Esprit permet tout pour être capable de répondre aux questions et étaler sur le sujet ça. Mais c'est qu'on dit, ma qu'on dit là, même c'est juste voulait saluer nous et remercier nous pour le sujet ça. Bon Dieu bénis nous. Ça fait nous plaisir, bien aimé. Ça fait nous plaisir. Nous apprécions ça en pile, oui. Apprécions ça en pile. Oui. Ça a montré que. En pile intérêt. Nous, frère Jean-Méristil, allez-y, frère Méristil. Oui, absolument. Nous profitons de saluer Pasteur Simpson Tour qui était resté jusqu'à la fin, malgré qu'il t'a conduit, mais ça n'a pas facile, non? Pour que lui ait tout le temps avec nous. Nous, on dit lui merci. Et puis, pas de question, sauf que pour la dernière intervention que Maestro a fait, question, on reconnaît l'arbre par ses fruits, une tape sur Pasteur. Je me sentis réponse à la question. Pour moi-même, le m'abgale les questions, moi, elle pas facile pour me donner une réponse, mais moi, Jean Pasteur a essayé la réponse là. Nous senti tout bon vrai, nous capables gon satisfaction là-dedans parce que dans la mesure que effectivement nous t'a envie comprendre que
Et puisque marche selon l'esprit, c'est comme si on reconnaît la part ses fruits, ses manifestations, fruits, ses manifestations, mais le nom gardé, on reconnaît la blanc tout, m'a envie de comprendre que si on a interprété dans l'autre sens, ça ne veut pas dire que le fait que on a gardé fruits, nous tout déterminer que à blanc, et c'est pied mango ou bien c'est pied citron, peut-être que le cap, nous reconnaître la blanc tout, il cap c'est pas forcément distinguer pied mango de pied citron, mais c'est même pied mango à travers fouillant nous que est-ce que pied mango stérile ou bien est-ce que le pas stérile, là peut-être nous cap prendre le sens ça tout pour que nous pas dit forcément que le fait que nous pas une manifestation nous dit mon nan il pas sauvé. Elle dit m'a envie comprendre ni comme ça tout reconnaître la blanc pas veut dire forcément moi ouais que ça sont pied mango ou bien pied citron. L'homme dit pied mango pied citron, c'est-à-dire pied mango c'est moun qui sauvé ya, pied citron c'est ta pas sauvé ya. Mais me pensais que reconnaître ab blanc tout ta veut dire que reconnaître que ab ça sont ab qui stérile. Gon bagay que moi là ab blanc que peut-être que dans l'autre pied mango moi l'autre pied mango lui-même ni produit alors que l'autre. Moi, donc, on ne comprend pas l'identification comme ça, tout. Je ne sais pas si. Okay, c'est ça qui a passé à te dire comme ça. Parce que dans Christ, pas gagné stérilité. Non, Christ, pas gagné. Parce que passé à dire, ou tu es un bagage qui semblait avec San Fermentin Dia, ou dit que mon nom a régénéré, mais la vie est un petit bébé. Moi, tu comprends. Oui, mais au moins, les chrétiens, ils gagnent le salut, mais. Li pa produit li tant ou ta ka don ti moun kokobe alors moi elle semblait avec ça et frère Mercil l'est avancé à que définitivement parce que même stérile là et son façon pour capable me comprendre c'est comme si c'est pas parce que c'est pas abla lié qu'il faut pas fouiller li c'est abla mais son ab qui kata ou bien qui kokobe qui gros problème. Ligue doit bay fruit oui mais c'est pas fruit pour axio est-ce que vous voyez OK elle me dit ça pas oublier que moun sa qui pas fait en pile bagarre pour elle tandis que moun sa gen droit c'est un moun qui gen pile l'amour dans cœur lui doit partager lui doit aimer partager ou elle doit aimer servir est-ce que vous voyez donc il capable présenter sous différentes formes lui doit pas paraître avec il pas paraître tant que un moun qui puissant est-ce que vous voyez manifester de grandes œuvres parce que œuvres c'est bon Dieu qui mette pour pratiquer vous voyez donc gen kokobe tout effectivement gen des bagailles moun n'a pas fait grande chose mais par rapport à l'autre c'est ça que fait c'est dans sens ça gen moun qui kon di gen moun qui gen plus gros foi parce que l'autre pas gen moun qui gen plus gros foi parce que l'autre gen moun qui gen plus connaissance parce que l'autre ou bien qui plus fait parce que l'autre l'autre gen plus connaissance parce que l'autre et bien ou a bon foi qui plus efficace parce que OK. C'est ça. Très 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 bien. Très très bien et moi c'est une belle intervention et you know, c'est dit que nous besoin l'autre intervention parce que nous pour fini pas connait si frère mais c'est fini si nous être passé à autre chose. Oui, moi fini, oui, censé retrouver dans et précision que pasteur cette poté. Ah oui, parce que en fait c'est ça que tu avais dit, c'est-à-dire que reconnaître à blanc pas pour moi-même pour interpréter le sens que pasteur a parlé là, c'est pas forcément voulait dire que le fait que moi fouille me déterminer c'est on a c'est abla ça ou bien mais, le fait que ou pas fouille là ou dit yes. C'est pas abla c'est OK. Yes, c'est pas ça mais il est capable c'est toujours même à blanc mais c'est la propriété que peut-être Absa, à partir de fouillant, vin ouais que quelques propriétés, quelques caractéristiques dans Absa comme ka reconnaître la kaeli ou bien ka pas reconnaître. Yes. Mais c'est toujours même Absa. C'est toujours même. C'est pas autrement dit mon toujours sauvé. Attends, parce réalité même dit comme ça ou ka aurait des fruits non et yon moun qui pas même chrétien. Mon n'a pas chrétien mon wel gen l'amour la joie la paix la patience etc mais il toujours pas un monde qui ca sauver même s'il était bon tant que bonbon vous comprenez exactement ça exactement si bon tant que bonbon c'est diable qui va le manger bonbon ça il va aller en enfer bien que son bonbon c'est ça OK c'est définitivement c'est très très bien et si on regarde dans 2 Corinthiens 5 verset 13 là en effet si je suis hors de sens c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous.
nous avons gardé vers ces âmes, dit, ah, faut passer à lui. Bon, mon petit explication. Est-ce que yon chrétien qu'on y a là, qu'a fait ni le monde, ni bon Dieu, plaisir à la fois? Basé sur verset ça, hein, parce que tu as parlé de bon sens, pour vous, vous dit, mauvais sens pour bon Dieu. Bon sens pour bon Dieu, vous dit mauvais sens pour vous. Donc, so, comment chrétien qu'on y a là, tu es capable de faire tous les deux plaisir à la fois, ni le monde, ni Dieu? Et si nous, si nous basons nous sur ça Jésus-Christ, sur ça Jésus-Christ dit, le monde pas carré mais chrétien. Ok. Ok. On pas gagner pièce le... moyen côté, on va essayer satisfaire le monde pendant que on va satisfaire mon Dieu. Et pour, parce que c'est pas même bagage. Monde blanc, c'est un monde qui c'est. À des désirs contraires, à ceux de l'esprit. Système naturellement, c'est ça. Donc, souhait ou fait monde blanc, si monde blanc, si monde blanc montre ou que ou fait le plaisir, c'est essayer de l'essayer en bomino pour le graso, pour le détruire. Parce que le monde, le système de ce monde, c'est un système qui dressait des ennemis. Contraires. Vous voyez? Ouais, des ennemis à Dieu. Automatiquement que si monde ça li a produit des ennemis, li pa ka zanmi non. C'est ça que fait système ça, bon Dieu dit ne mépris le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui veut être l'ami du monde sera ennemi de Dieu. Aussi beau, wali, aussi beau, joli, belle ou accueil ça ta capable pour nous, c'est pour nous prudents. Par rapport à monde là, ça qui la donne. Très très bien, très très et, bien. Mais ça qui arrive, c'est que ou qu'on tellement observe bon Dieu bien gen moun, même s'il c'est pas il toujours prend comme exemple. Et c'est là Matthieu 5 16 là qui est intéressant. Côté qui dit ou comme ça que c'est pour lumière nous en briller, pas vrai? C'est pour lumière nous en briller. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Naturellement, donc quand même, ça va faire, ça va habituer, ça va qu'on fait, ou bien quelque part, il y a un monde qui a fait différence quand même entre ou même avec l'autre monde. Vous voyez? Leur campé, même pas rien qu'on fait différence. Il n'y a pas un monde, mais il reconnaît qui est souillé. Pasez-vous. Ou elle dit, non point que qui est-ce qui t'aurait les chrétiens ou chrétiens? Hein? Disciple Jésus-Christ, qui est-ce qui t'aurait les chrétiens? Les païens. C'était des païens. Peut-être ça parce que yo t'es ouais dans conduite moun sa yo. Yo dit c'est moun chrétien qui t'a suivi Christ. Ou elle dit, définitivement. Donc, ou capable vivre d'une façon, c'est pas parce qu'on fait païen ou fait païen satisfait, non? Non. Mais c'est parce que païen ouais nan ou yon puissance et li respecte ou comme moun effectivement qui fait preuve yon serviteur bon Dieu, yon servante bon Dieu. Okay. Et que ça ka arrive tout ou influencer li. Ça ka arrive ou influencer li. Parce que yon bon moun qui vin converti par la suite, en pile fois c'est conduit un chrétien qui mène moun nan la repentance. Ok. On janteye avec moun nan. On janteye avec moun nan. Par exemple, sou pren yon moun, ou essaye toujours bay moun sa manje. Ou toujours ap aide moun sa balti comme kembe nan meni. Et puis c'est chrétien ou yé. Moun sa kapab vin chrétien sans que ou pa même renou kont. Ou elle dit? Li pa lè la vin chrétien pa konne non? Non, au sens ou évangélise li à travers action. Effectivement. Naturellement. Okay. Très bien. Donc jusqu'à ce qu'on bal parole la et puis pa gen choix que accepte. Ou elle dit? Nous te gon. J'ai comme ça qui était traité sous l'église, évangélisation par le service. Pendant observer le monde, et puis c'est une façon pour évangéliser, gagner un pasteur qui était traité sur sujet ça pour nous. Ah, moi pasteur... même, ma bon témoignage tout petit. J'étais un collègue de travail. Et malheureusement, monsieur Mouri Kounia, un collègue de travail. Donc, nous fait longtemps bien à travailler ensemble. M'était directeur des études, m'était assistant directeur des études et dans Canada. Et puis nous arrivé dans un moment monsieur c'est maman Marie seulement le connaît. D'ailleurs machine ni décorée avec bagaille maman Marie.
Donc, pour montrer que c'est un malade. C'est un malade. Vous connaissez? Monsieur mourit chrétien. Parce que nous tellement toujours parlé. Lui, comment m'a vivre. Lui, comment pile moun nan Canada apprécie moi. Est-ce que vous comprenez? Apprécie moi. L'a regardé, l'a évolué, n'a parlé ensemble, n'a travaillé ensemble. Ouais, lui, et nous prenons promotion ensemble. Donc, monsieur vini vers on là. Il dit qu'il a fait mon mari ça, mon cher. Lui, il tire tout le bagage dans la machine, on l'a. C'est ça. Ouais. Tout le monde a toujours été bon côté lui, monsieur malade. Monsieur malade m'a quitté la caille moi à 10h du soir après aller chercher la caille mener le caille docteur où elle fait temps ensemble avec lui m'a venu la caille jusqu'à minuit 1h du matin m'a accompagné lui donc m'était montré que me son bon frère pour lui monsieur avant monsieur mourir lui monsieur baptisé il convertit le baptisé OK yeah. So on finit avec idée ça dans Galates 5 verset 16 là et n'a comparé le même avec sujet ou gagner marcher selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair et si n'ta qu'on y a la mettre dans cadre évidence ou pas là n'ta qu'a dit marcher selon l'esprit et vous montrerez les évidences de la marche par la foi n'ta qu'a dit comme ça tout ouais on te garde le ça. OK. On y a là il va qui s'en alors question c'est ta qui secret ou bien qui technique ou bien comment ou tu as qu'à expliquer au monde façon pour le marcher selon l'esprit. Nous dit yo marcher selon l'esprit mais qu'on y a là ban nous façon si monde t'a dit OK, m'ta vle marcher selon l'esprit même par contre ça au fait qui sont t'a dit lui comme un conseil comme un advice mais comment pour marcher selon l'esprit et puis ça à ça on a tout fini. OK, m'a tout illustré li avec un exemple. Mettez un l'eau sale dans un verre. Et puis videz de l'eau propre dans verre. Videz de l'eau propre dans verre. Plus on vide de l'eau propre, qui sont pour marquer dans verre. De l'eau a vinn pi propre. L'eau qui l'envers a vint propre, l'eau sale là tombé. C'est même bagaille là pour qu'à marcher selon l'esprit. C'est pratiquer pour pratiquer faut, plus. Faut qu'on quitte la parole de Dieu envahie ou. Ouais, c'est pour système de pensée ou renouveler avec la parole. La plaver ou étudier la parole, étudier la parole, étudier la parole. Lis la parole, méditez la parole. Vous voyez? Méditez la parole, pratiquez la parole. Quittez la parole là, envahir le système de pensée. Rivez-vous leçon qu'on est passé. Qui ça Jésus-Christ dit? C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les adultères, etc. Mais si cœur rempli avec bagaille ça, OK? Eh bien. Sans pas le manifester dans le corps, c'est bon bagage pas le manifester dans le corps seulement. Parce que c'est eux qui a rempli, c'est eux qui a rempli pensée ou c'est eux qui a rempli cœur. C'est le Saint-Esprit qui a fait travail. C'est naturellement. Maintenant ça... l'esprit de Dieu qui dans l'esprit ou a besoin suffisamment d'éléments dans le système de pensée ou qui est accordé ensemble avec lui puis on va le manifester dans le corps. Ça veut dire que monde qui pas gain le Saint-Esprit dans l'IA même s'il a fait pile bien la produit des fruits de l'esprit mais il style pas qu'à marcher selon l'esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui a fait le marché selon l'esprit. Quel que soit le monde qui parle né de l'esprit, pas qu'à marcher selon l'esprit. OK. C'est d'abord né de l'esprit. Malheureusement, si vous étiez avec la chair ou né de la chair, avec naissance, seulement il en faut pour aller aussi bon qu'à paraître. Même si on monte bon. Alors, vous contentez, vous avez dit, ah, même plus bon parce que protestant ça, et vous avez bon vrai parce que vous conduit famille bien, vous avez droit conseil madame, vous avez la charité, vous avez pas qu'il y a des bagailles, vous avez fait plus bon dans le comportement, mais malheureusement, vous avez fait plus bon parce que c'est Christ pour le dégain. Par exemple, connaît, pour que je me sauve, après, c'est le Pierre qui a rencontré avec les prêcheurs de l'évangile de sauver, t'as dit, c'est ton bon monité. Bon monde pas veut dire ou c'est petit bon Dieu. C'est pas bon monde qui parle dans celle là mais c'est monde qui dans Christ là, c'est ça. C'est monde qui dans Christ qui balance. Ou mais faire pour nous si vous voulez. Eh bien bon, c'est un plaisir pour me te gagner nous sous pas pour me te gagner nous avec sous plateforme là.
et c'était son félicitation m'a envoyé by nous chaque et by frère Simpson qui sous volant machine et qui était fidèle à rendez-vous et à tout notre serviteur et bien-aimé qui t'ai parlé qui t'ai posé question et qui t'ai encouragé nous dans sens ça nous dit bon Dieu merci parce que nous t'es là nous rempli mission ça à soir. Nous souhaitons que mon Dieu accompagne nous, garde nous. Nous souhaitons que la sagesse de l'esprit envahisse la vie nous. Nous souhaitons que mon Dieu fait nous grandir dans la connaissance, dans sa connaissance, et permette que l'esprit capable joindre de quoi dans nous pour être capable manifester, dans conduite nous tout bon bagage que mon Dieu voulait nous manifester pour que le capable glorifier dans la vie nous et l'autre monde tout capable et ouais et pour glorifier le tout. Nous dit tout le monde merci. Et je dis à nous traiter avec nous les évidences de la marche par la foi. Nous sommes certains que l'élément nous parler là, n'a partagé avec nous l'autre et n'a pas qu'un béo. Que mon Dieu bénisse nous, souhaitez-nous agréable nuit dans le Seigneur. Très bien, merci, Pasteur Ali Loubert. Très, très bien. Nous apprenons un pile et comme nous sommes censés édifier. Et nous prenons le principe là, c'est chaque samedi, depuis 9h PM, rendez-vous à cela avec nous. L'autre présentateur pour yon l'autre sujet. Pas oublier partager vidéo, pas oublier partager sous prend bagarre ou pas bailler l'autre monde. So, ou pas d'appeler égoïste. On dit tout le monde passez bonne nuit et que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.